Aujourd'hui, je vais vous parler de cette super bécane. Oh, c'est Ludovic Macaire. Macaire. Bon ben voilà, aujourd'hui on est sur un super terrain de cross avec un pilote moto. Je vais vous le présenter. Ludovic Becker. Ah non, c'est pas lui, ça c'est le photographe. Voilà, dans l'ombre. Viens voir, ouais. Mon grand, viens dans la lumière. Ludovic Macler, ouais, le futur pilote. J'ai besoin de lire. Non, mais non, je sais. Et puis là, on a toute la famille avec Maëva derrière. Comme ça. Qui est la caméra girl du jour. C'est ça, j'ai pas les pompons, mais. Le photographe, là, qui est. Comment tu t'appelles déjà? Jody Agena. Voilà. Japi. Japix. 29. Yes. Yes. Notre petit Pascal Echnam. Et on a tout le matos, voilà. Voilà, là-dedans, il y en a là-dedans, il y en a là-bas dedans, il y en a ici, il y en a là. Voilà, et on a un terrain de cross, rien que pour nous. Un pilote, une moto. De filmer les coulisses. Ouais, toutes les conneries. D'accord, ok. Filmer toutes les conneries. Là, tu filmes déjà. Là, je filme déjà toutes les conneries. Voici le caméraman. Caméraman. Le caméraman. La caméraman. Le et caméraman. Puis, le futur caméraman. Et moi, le pilote. J'ai brûlé l'aile de la moto. Et d'un coup, il se passe quelque chose. Tu fais, ah, c'est bien ça. T'as le temps d'appuyer, tu fais, ok, j'enregistre. Bon, eh ben, ça change pas l'histoire de mon truc que j'ai pas. Ça, c'est pas nécessaire le travelling, mais j'aurais vraiment voulu faire des travelling quand même. D'accord. T'as pas un câble là qu'on tire et que la caméra elle nous suit, ça? Ça s'appelle un drone. Ça s'appelle un drone, ouais, bien vu. Le passage là. Quand tu montes, quand on monte en descend, là, est-ce que tu arrives à le faire assez vite ou c'est chiant? Ouais. En wheeling. Ah bah voilà le wheeling, on le va. Bah ouais, on veut le wheeling. On va le caler ici. Le wheeling. Ici. Allez. Le wheeling. Comment tu dis? Le wheelage. Le wheelage. Wheelage. Le wheelage. Oui. Comme ça, j'y vais d'un œil ou. si j'approche à. On va voir, ça te gêne pas là comme ça. Non, c'est go bon. De l'époque. C'est bon, vas-y. Allez, go. Pourquoi tu veux prendre son taf ou quoi? Ouais, j'ai un 15. Les rentre dans le champ comme ça, en glisse ou pas, tu vois. Elle rentre dans le champ et puis t'as la fumée qui est derrière et puis tu la vois partir. Mais c'est rare d'un virage comme ça de derrière, tu sais. Ouais. Je suis derrière le virage, toi tu viens comme ça, tu pars comme ça là. Il y en a un en bas. Tu l'as vu? Ouais, je vais te le montrer. Mais les assistants là. Les assistants. Le matos ça. Merde. Oh. Restez là. On sait même pas qui c'est. Bah, ils sont sur Tinder. On voit que Maëva, la reporter. Je m'appelle Plume Noire. Je suis cadreur professionnel, monteur professionnel, emmerdeur professionnel. Et aujourd'hui, on est avec un motard professionnel. Oh, c'est beau, regarde. T'envole pas, Plume. Et où le virage que j'ai vu tout à l'heure, putain? Plume, cheveux au vent, contemple le circuit à la recherche du virage. Tant qu'on voit. Plume, surplombant le circuit, se demande où se trouve le virage. On parlait fort, le micro il est vers moi. Ah! Bah y'a celui-là là, ça. C'est celui de la bosse là, attends. Je ne suis pas une moto. Je ne suis pas une moto.
Ouais, mais ça va pas là. Je fais toujours en sorte de ne pas l'avoir, mais c'est vrai qu'il est cassé. En plus, quand t'es descendu, je me suis dit, regarde, il va donner un coup dans le sponsor. Je vais voir s'il tournait le machin. Justement, le virage là. Ouais, avec la vue de là, ouais. T'es à ras là. La partie là, en sortie. Ouais. Mais de où? De là-haut alors? Mais je viens par là, moi. Oui, comme ça. Ouais. Même si tu t'éloignes un peu vers là, c'est pas très grave, tu vois. Et comme ça, je suis dans l'axe, c'est ben là-bas. Qu'est-ce qui se passe, Plume? Ça, c'est les risques du métier. Ça pique le cul. Et mon virage, alors, dans tout ça? Bah alors, le virage? Yeah. Dans la boîte? Ouais. Pas mal. Je vais me coucher sur le circuit, moi, ouais. Avec la caméra en dessous. Hein. C'est pas du saute-mouton, c'est du saute-plume. J'ai envie de me m'allonger là en haut et que tu me passes au-dessus. Oh, je vais pas me louper. Hein. On va faire du saute-plume. Hein, je vais pas me louper. Hein. C'est vrai. Arrête pas que t'arrives là-dedans. En plein dans le chien. Attends, mais bon, attends, je vais voir où t'atterris à chaque fois. Ouais, t'atterris dans la descente. Hein. Ah ouais. En gros, si je me mets là, ça va. Oui. Bon, on va faire ça. Il y a des nuages, ça va être joli. Comment on se sent avant Nouvelle expérience. Voilà. Nouvelle expérience. Ben. J'ai confiance au pilote. C'est la phrase. Ben non, il suffit que je me dise j'ai confiance au pilote. Tu vois. Et. T'as pas un bruit Tant que c'est pas une chaîne de tronçonneuse, ça me dérange pas. Attends. Tu conseillerais quoi? Un milieu. Hein. Toi, t'atterris de l'autre côté. Ouais, je t'ai dans la descente. Donc, si tu te mets là où c'est un peu plus blanc, là, tu sais, au milieu, ouais. Tu peux peut-être avoir le décollage et tu vois, ça est rapide, mais. Ouais. Mais du coup, il reste debout ou il doit se coucher? Ah, tu veux faire comme ça, toi? Bah, moi, je vais me coucher. Hein. Ouais. Mais si tu crois, je me prends des cailloux, si je fais ça et à la fin, non, je cache l'appareil. Non, t'auras pas de cailloux si t'es au milieu. Mais par contre, si tu te mettais direct là, tu vois, oui. Là, ça craint. Donc là, tu me proposes. Hein? C'est pas assez? Ça va le faire. Ouais. Puis après, on verra s'il y a un coucher de soleil ou quoi. Quoi. J'ai une idée d'où il se couche, mais pff, on a le temps. On a le temps. Hein. On a le temps, on y est encore. On est à 4-5 heures là. Allez! Bon, allez, moi j'ai peur de rien. C'est excellent! C'était tip top! Ah, ouais. On peut camper là! Hein. Imagine, je mets ma tente moi la nuit ici! Des trucs bizarres au-dessus là! Et des... Ouais, il y avait trop de glaise ici. Ouais. C'est pas un moyen de partir avec mon pneu sable. Si je me mets là, je m'en prends. Ah ouais, t'as un pneu sable, c'est vrai. Après, pour faire un montage, vas-y. Prendre des vidéos sur le téléphone, sur le celui-là. Ah ouais. Sur celui-là. Non, mais celui-là, c'est que les, c'est que les coulisses. Moi, je prends pas sur les coulisses. Attention, faites vite. Je refais.
poussière. Ah. Faut pisser dans leur mer. Ça, les paparazzi, quoi. Essayer, je pense. C'est les traces 85. Chaque vidéo, ça compte. Donc toi, ton nom, c'est quoi? Julian. Julian. Non, Focus. 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 Focus, man. Focus, man. T'as plus le focus? Mais non. J'étais là-dessus moi tout à l'heure. Là, il y a à nouveau du ciel bleu après. Là. Ouais. Le ciel bleu. Le départ, on le fait où? On est parti. On sort par où, monsieur? Ludovic Leclerc. Faut que je révise parce que je sais plus déjà. Pas clair, Ludovic, pas clair. Arrête, mais elle filme en plus, arrête. Arrête, arrête, coupez. Les mecs, ils reviennent de la pêche, quoi. Vous étiez à la pêche? Ouais. Rocher ou à carpe? C'était un requin blanc. Je l'ai bouffé tout cru, il fait de l'aileron de requin. Il va où, là? Il fait quoi? C'est chauffé. Ah, qu'est-ce que tu filmes? Là, le temps, il est top. Hein. C'est chauffé pour faire quoi? Pour le démarrage? Ouais. On le fait vers là, le démarrage? Alors, fais d'abord le truc maintenant ici. T'es dessus? Ça devrait aller comme ça. Hein. Mais comme ça, en marche arrière, tu mets un pied là au-dessus de ta tête, et puis voilà. Encore une image épique, ça va être beau. Ça va? Tu es mort? Fatigué, ouais. Bon, on va plus faire des grosses choses. Hein. Non, non. Explosé. Attention, le pot. Ça passe, ça passe. Bon, voilà, ça passe. Maintenant, faut que je mette. Allez, mets ton pied là-dessus, là. Ouais, c'est pas mal, ça. Bien sûr, ça se voit que ça marche, ça. Attends, une seconde, il faut que je pointe le. Est-ce qu'il faut mettre le casque à Léa? Ça marche pas, c'est pas le bon objectif, faut l'autre. Léa, bouge tes oreilles. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un vrai départ, quoi, partir. Bah oui. Non, non, le départ, c'est après. C'est après. Ah, ils sont pas fixés les ronds. Attention. Olé. J'ai pas envie de me prendre un clou dans le cul. La fumée. Encore la fumée. Ouais. Mais là, de côté, ça va être vraiment beau, mais un peu plus haut. Parce que faut que je prenne du recul. Tu vas en prendre plein la gueule, Maëva, tu peux reculer en zoomant si tu veux. Et d'ailleurs, ça fera un beau plan. Hein. Faut que tu recules encore, hein. Tu risques de te prendre un caillou. Hein. Ouais, ok.
Attends, je te dirai. Je me mets à ta place. Ouais. Bah, fumé qui offre. Lui, il va passer. Tu passes devant ou derrière, comme tu veux, hein. Donc, moi je te mets sur le côté. Je me mets là. Serrez pas trop parce que ça va être chaud. Bah, non, recule alors. Là, tu sais comment? Tu peux démarrer. Je dis aujourd'hui, je vais vous parler de cette super moto. Vas-y, quand tu veux. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette super bécane. Comme je veux, je vais devoir redoubler, tu vois. Pas un son. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette super bécane. Merde. Et on prépare un plan pour le coucher de soleil. Tu comme ça. Et t'avais un petit travelling sympa. Là, tu l'as serré d'abord. Il y a un moteur avec, là je peux le mettre, par exemple tu mets ta moto au soleil le soir, tu sais. Là je peux faire en sorte que le rail il aille de là à là en 6 heures. Ah ouais. Il met 6 heures pour aller de là à là. Pour filmer les étoiles, tu sais, en time lapse. Non, il m'a dit. Bah, ça fait un super mouvement. On l'a utilisé à fort bas. Au phare aussi. Ah oui, bah oui, tu te rappelles pour fort. Le clip. Il y a une vidéo que t'as mis sur YouTube là du fort avec le.